Hello les guys, c'est Sergi, bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure sur Football Life 2023, sur PES 2023. Nous allons continuer notre aventure avec sur Ligue des Masters en direct. Je viens tout juste de m'arriver, c'est le matin, c'est dimanche les gars, donc grasse matinée pour tout le monde. J'espère que de votre côté, tout va bien. Aujourd'hui, on va jouer un match très très important face à Liverpool, les gars. Si on gagne pas ce match, on sera éliminé, à part si Trabzonspor perd. Mais je crois pas que Trabzonspor va perdre. Il va faire tout pour gagner. Donc, on doit gagner. Attendez, je vous montre. Donc, j'ai quelque chose dans la gorge là. Là, on est troisième dans le championnat, comme vous venez de voir. Regardez, je voulais juste vous montrer le Champions League, compétition des clubs. UEFA Champions League, barrage. Non, pas barrage. Je voulais montrer phase de groupe. Et vous voyez, nous sommes deuxième avec les mêmes points que Trabzonspor. Donc, même si Trabzon, on doit au moins faire un nul, mais on doit gagner, on doit gagner. On doit gagner, les guys. Et comme toujours, je vais vous montrer le niveau dans lequel on joue professionnel. Ensuite, je vais vous montrer le calendrier, tous les matchs dans lesquels on a joué. Alors, voilà le calendrier, les matchs qu'on a joués. Je vous avais laissé avec Espagnol et on avait gagné 2-0. Ensuite, on a battu Villarreal. On a gagné tous les matchs qu'il a fait. On a fait juste un match nul contre Mallorca. Après, on a gagné tous les matchs, comme vous le voyez. Et Liverpool, on va jouer deux matchs aujourd'hui sur cette vidéo. J'ai pas envie de faire une très très grosse vidéo, mais je vais vous montrer tous les matchs parce que des gens m'ont dit qu'ils préféraient voir tous les matchs. Ensuite, on pourra enchaîner peut-être avec Atlético Bilbao et les autres. On verra. Voilà. Maintenant, j'ai acheté aussi un joueur, j'ai acheté, je sais pas le nom, j'ai oublié le nom encore, il jouait dans quel club? Attendez, je vous montre. Non, pas entraînement, je voulais faire quelque chose, entraînement. Non, pas, oh, pourquoi je clique ça encore une fois? Négociation. J'ai acheté Dusan Vlahovic, il joue à Juventus, je l'ai acheté à 22 millions, sa clause libératoire était 17 millions. En tout cas, c'est un joueur que je trouve qui est. Regardez les stats. Je vais cacher un peu mon avatar pour vous montrer. Regardez les stats. En tout cas, on pourra l'entraîner pour la vitesse. Il est encore jeune. Mais c'est surtout la finition que j'ai regardée parce que un buteur doit toujours être fort. Bon, passe à terre, on doit aussi l'entraîner et tout. Mais on pourra l'entraîner et développer tout ça. Il a encore 22 ans. Je l'ai acheté moins cher en tout cas. Si vous voulez un bon joueur, allez acheter celui-ci. Il est grand, il est fort dans la tête aussi, je crois. Bon, il essaye. Ok, voilà, ça c'est le joueur que j'ai acheté. Il me faudra aussi un gardien. Je suis en recherche de gardien pour le moment. Allez, on va maintenant faire des remplacements, les gars. Allez, on va mettre Sergi Roberto à la place. On va mettre Gavi. Ici, on va mettre. Qui d'autre ici? On va mettre Pedri. Ici, on va mettre Lewandowski. Je suis désolé, Depay, même s'il fait des très gros matchs. Busquets, on va mettre à sa place Frankie de Jong. Qui va beaucoup nous aider. Et Garcia, désolé, il va devoir sortir. Et je vais mettre Ronald Araújo. Et Christensen, je trouve qu'il est fort là-bas aussi. Gérard Piqué restera sur le banc au cas où. Franck Kessié aussi. Marc Ter Stegen qui va entrer, bien sûr. Il aura besoin de repos pour les prochains matchs. Ferran Torres qui va entrer, bien sûr. Raphinha va rester sur le banc. Il va entrer à la deuxième épisode. À la deuxième partie, pardon. Comme d'habitude, Marcos Alonso, je le garde. Je trouve que Jordi Alba, il fait trop de gaffes. Par contre, je vais le mettre à la place d'Iñaki Peña. Je crois pas qu'on a besoin de gardien ici. Alors, si le gardien se blesse, ben, on n'aura plus que des yeux pour pleurer. Je veux changer juste ici quelque chose. Passo dans la surface, je vais mettre par contre pressing. Non, pas pressing. J'ai trouvé qu'il laisse défense reculer pour qu'il recule quand il défende.
arrière latéral aussi vont reculer derrière. Donc tout ça, ça va. Je vais sauvegarder tout ça parce que j'avais pas sauvegardé. Voilà, on continue. Maintenant, on va jouer le match face au Liverpool. Gros match, les gars, gros match. C'est parti. Allez, nous voici au FC par non, à Anfield contre Liverpool. On va laisser la cinématique comme d'habitude. J'en profite pour augmenter le volume. Le stade est quasiment plein et l'ambiance est incroyable. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et voilà, voilà l'équipe de Liverpool chaude comme jamais. Donc, faut au moins avoir un nul ici, ça sera très difficile de gagner à Anfield, c'est juste impossible. C'est l'enfer pour les adversaires. Celui qui a déjà gagné ici, franchement, chapeau. Je remarque si tout va bien. J'ai oublié l'avatar. C'est parti les guys. Allez, c'est parti. Lewandowski. Ça sera pour vous. Attention, ils ont l'air d'avoir commencé à attaquer direct. On va défendre totalement parce que là je vois qu'ils sont tous à l'attaque. Et là donc on va devoir jouer un jeu qu'on ne joue jamais, donc la défense. Ça c'est... Ah mais qu'est-ce qu'il fout, Gavi n'est pas dans son match aujourd'hui. Et pourtant j'ai même pas regardé si ils étaient en forme. Ouais, ils sont tous en forme, ils ont l'air bien. Allez, on y va. Attention, très attention là les guys. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a personne devant en fait, c'est ça le problème. Non, là ça va pas entrer. Donc là, il faut finir. Voilà, Marcos Alonso. Que je trouve qui est mieux que Jordi Alba en tout cas. Ah, ça c'est très bien, c'est très bien. Ouh, allez, peut-être que je tire un peu plus fort en fait. Je ne savais pas. Et le but, les guys. Ça c'est très très bien joué en tout cas. Franchement, on va jouer contre-attaque aujourd'hui. On a rien d'autre à faire aujourd'hui. On avait raté déjà une occasion tout à l'heure. Et Lewandowski, aujourd'hui, il va tout donner aujourd'hui. C'est lui le capitaine. Regardez, franchement, là, j'ai super bien joué. Là, je savais que Lewandowski allait directement aller chercher l'espace. Regardez. Là, je savais que il fallait juste frapper fort, mais pas très très fort. Elle fait du bien cette ouverture du score.
Ça montre à quel point ils ont faim de victoire. Ils ont vraiment envie d'aller. Allez, on va continuer à défendre parce que je trouve. Ah, ça c'est très bien. Ah non, ça c'est très mauvais. Gavi n'est pas en forme aujourd'hui. Regarde. Ouh. Ça va y être un but. Tout ça c'est Gavi. Gavi n'a pas l'air franchement en forme aujourd'hui. Je risque de le permuter avec Ferran Torres parce que je vois pas. Il fait rien au milieu en tout cas aujourd'hui. Jordan Anderson qui récupère directement le ballon. Oh, c'est bien fait ça. Là, il fallait défendre. Attention, il risque de marquer un but. Ça, c'est très bien, Alonso. Ça, c'est très bien. Là, Gavi, là, il peut y aller. Là, il peut y aller, Gavi. Et là, c'est le deuxième but. Voilà. Et voilà, les guys. Le coach est content. Je crois que défendre et contre-attaquer, on peut le faire. Parce que quand ils sont tous en attaque comme ça, ils laisseront des espaces. Et là, voilà, il n'y avait personne en tout cas. Les défensifs, et là, j'ai vu Lewandowski. Il ne faut même pas réfléchir. C'est lui seul qui peut nous délivrer 4e but Champions League. Très jolie passe de Gavi. Gros match. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire c'est mérité. Allez, maintenant, voilà. Heureusement que j'avais pas. Attention, voilà. Ah là, on garde la balle. Regardez la balle. Gardez cette balle maintenant, faut pas se précipiter. Ça fait déjà 2-0. Si on prenait un but, ça serait très difficile pour la deuxième mi-temps. Attention, on va essayer de garder cette balle calmement. Non, je ne voulais pas passer à Pedri, je voulais passer à Koundé. Bon, Dembélé, il a l'air d'aller là-bas. Et là, aïe, aïe, je voulais passer Lewandowski. Ah voilà, c'est sorti. Voilà. Et Lewandowski qui pouvait marquer un triplé. Attends, c'est lui qui a marqué le premier but. Je crois que c'est lui, oui. Je pouvais marquer un triplé. Corner. Donc, tout va bien pour le moment. Tout va super bien pour nous, les guys. Corner. Ah, cours. Voilà, ça c'est bien. Et le troisième but, triplé de Lewandowski, les guys. Voilà. Inarrêtable aujourd'hui, les guys. Ter Stegen qui pousse derrière. Oui, et oui. Tout se passe très bien aujourd'hui. Tout se passe super bien. Aujourd'hui, Liverpool n'est pas du tout en forme. J'ai cru que c'était hors jeu au début. Et. Très très beau but en tout cas. Je suis super heureux aujourd'hui. Moi qui m'attendais à un gros, une grosse défaite. Tout se passe super bien. Voilà, ça c'est bien les gars. Il faut. Quand on voit que l'équipe est en attaque, faute, défense totale et jouer en contre-attaque. Il n'y a que ça. Attention, il risque de marquer. Non. Ça ne va pas entrer en tout cas. Attention. En tout cas, il y avait quelques erreurs de Gavi que je trouvais, mais il s'est très bien rattrapé après. Voilà, Lewandowski qui demande encore la balle. Là, je vais centrer. Ah là là. C'est sorti. Ah non, ce n'est même pas à nous. Franchement. Je m'attendais à beaucoup de scripts aujourd'hui. Bon, il y avait un script déjà, mais bon, ça va. Attention, voilà, ça s'est très bien récupéré. Là, je tire parce que je n'ai aucune solution. Le
ça c'est très bien. Lewandowski, triplé de Lewandowski. Je crois que maintenant il a 5 buts en Champions League, les gars. Regardez, tir cadré, on a possédé plus de ballons. On a eu 3 tirs cadrés, ils ont eu 6 tirs cadrés, ils n'ont pas pu marquer. Je me souviens même pas de les avoir vus. C'est un tir. Faudra que je regarde la vidéo de mon côté pour voir d'où viennent tous ces tirs cadrés. Et là, c'est Dembélé. Là, c'est Dembélé. Il peut. Là, attention, Dembélé. Il est pris. Il est pris. Là, je crois que je vais amener. Attention, attention. Là, on peut récupérer. Ah, là, ça commence les scripts. Voilà. Là, je crois que peut-être il y avait faute. Mais non, je crois que j'avais récupéré la balle et il s'est fait tomber. Parfois, je trouve que c'est l'IA qui se fait tomber. Il faudra que j'apprenne à me faire tomber. Je crois qu'il y avait... Attention, il y avait un moyen de se faire tomber comme dans FIFA. Et directement, on sifflait pour toi. Merci Ter Stegen. Qui nous sort aussi un grand match aujourd'hui. S'il a eu 6 tirs cadrés et rien à entrer, ça veut dire qu'il a fait un gros match. Je me souviens pas de ces 6 tirs cadrés. Franchement... Je crois qu'ils avaient dû juste deux tirs. Faut rester derrière aujourd'hui. Là, je peux récupérer parce que c'est Pedri. Pedri. La Dembélé parce que je sais qu'il est rapide. Il peut faire quelque chose. Et là, c'est Lewandowski. Ça, c'est très bien défendu. Je sais pas qui a défendu là-bas. Ça c'est très bien défendu de Frankie de Jong. On va essayer de jouer un peu le tiki-taka. Voilà. Ah là là, c'était un peu trop long. Je crois que je vais enlever Dembélé qui a l'air déjà épuisé. Je ne l'ai pas vu. En tout cas, c'est là un problème de stamina. Faudra que je l'entraîne à ça. Attention. Oh. Ça n'entre pas aujourd'hui. Allez les guys. Ah, je sens qu'ils sont en train de nous attaquer, mais ils vont laisser des espaces vu qu'ils sont en full attaque. Et c'est normal parce qu'ils veulent. Bon, là, je passe à Lewandowski. Je me dis que je vais récupérer, bien sûr. Et le but, un triplé de Lewandowski. Et voilà, ça c'est super bien. En tout cas, ils ont. Je savais qu'ils allaient laisser. Faut être full défense, les guys. Si vous savez pas comment on fait full défense et full attaque, en fait c'est la touche de l'autre côté. Vous tapez deux fois en bas, les flèches d'en bas, et vous serez en full défense. Vous tapez beaucoup de fois. En fait, vous regardez sous l'écran. Attendez, je vais passer, je vais vous montrer. Vous regardez Arthur Melo sort. En tout cas, ils ont fait une catastrophe aujourd'hui. Voilà. Vous voyez là-bas en bas à gauche. Regardez, je vais descendre et ça clignote. Vous avez vu? Et puis c'est devenu bleu. Il faut regarder pour eux, c'est quelle attaque. On va regarder pour eux. Vous voyez, eux, c'est dans le rouge. Regardez juste en bas à droite, vers là où est écrit le nom du joueur. Et là, vous allez voir qu'il y a une couleur rouge. Ça veut dire qu'ils sont full attaque là. Et nous. C'est bleu là-bas de l'autre côté. Attention. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Mais il n'y a rien. On va remplacer parce que je trouve que Dembélé, il est épuisé. Je vais mettre en Sofati parce qu'il a fait un gros match. Par exemple, j'avais pas filmé ça. Et donc, du coup, là, je crois que ce match est super bien passé. Je m'attendais à beaucoup de scripts. Et Ferran Torres peut marquer maintenant. En tout cas, il faut aussi demander, comme vous avez vu au début, demander à la défense de reculer. Parfois, ça aide. Dembélé, il est fini.
Lewandowski aussi fini. Là, je voulais faire un Torres. Ah là là, là, je crois qu'ils vont marquer peut-être leur but. Marquer 4 buts en fil de C. Et voilà, ils ont marqué leur but. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On a pris les devants très rapidement. Et on va rester sur défense parce que de toute façon, les joueurs étaient déjà fatigués, étaient déjà finis. Attention, pourquoi on va pas prendre un deuxième but quand même, les guys. Parce que là, imaginez-vous s'ils fassent un comeback comme ça. Ça sera vraiment le comeback du siècle. Allez, on va voir qui est fatigué. Je vois que Lewandowski aussi est fatigué. Voilà, j'ai eu le temps de remplacer, mais... Voilà, ça c'est très bien défendu. Rafinha, il est rapide. Il va la prendre avant tout le monde. Là, on peut y aller, on peut y aller. Oh là là, il y a faute. Ça, c'est très bien joué. Je vais enlever Lewandowski. Je vais mettre Sergi Roberto devant parce que de toute façon, ils sont déjà... Il est fini. On va jouer les passes. On va jouer calmement, les guys. On va garder la balle. Koundé, Pedri, dans la profondeur. Rafinha, il a de l'espace. Non, je voulais pas ça. Hors-jeu, je crois. Et oui. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que je peux remplacer? Peut-être Marcos Alonso aussi. Je mets Jordi Alba. Franchement, je suis super content du match d'aujourd'hui. Gomez. Anderson maintenant. Le gardien loin devant. L'interception au bon moment. Pedri. Je ne voulais pas du tout aller en Europa League. Parce que franchement, attention, attention, attention. Voilà. Dégageant. Voilà. Sergi Roberto, c'est pas du tout sa pose. Je suis désolé, Sergi Roberto, mais si toi tu restes juste là-bas, attendez, d'ailleurs, je peux peut-être le changer. Et les duos de reculer. En fait, il fallait même que je change un peu la formation. Je vais les duos de venir aider ici derrière et Rafinha. Et l'autre, Rafinha et l'autre vont rester devant. Voilà, on va le faire. Ah là là. Il y a toujours du script, mais quand on marque au début, et voilà, encore une faute. Allez, d'accord, on peut discuter, mais pas s'exciter comme ça. Du calme, on se reconcentre sur le jeu. Firmino avec la petite barbichette. Et aussi, ils seront qualifiés, donc ne vous inquiétez pas. Oh, ils ont marqué. Ça, c'est un très bon but. Ça, c'est un très, très beau but, en tout cas. Mais le match sera fini de toute façon. Et on est qualifiés pour les huitièmes, les guys. On est qualifié. Je suis sûr que Trabzonspor avait gagné. Trabzonspor avait gagné. Donc, 4 triplés de Lewandowski. C'est lui l'homme du match. Aujourd'hui, c'était lui, Barcelone. La qualification. Allez, on va cliquer sur suivant et on va jouer un autre match, juste un seul match. J'ai pas envie de faire beaucoup de matchs aujourd'hui. C'était en fait, je voulais faire même un épisode juste sur un match, mais je me suis dit non, je vais pas quand même vous laisser cela comme ça. On va jouer un autre match. Négociation, qu'est-ce qu'il y a, équipe de jeunes.
Ah, je vais suspendre les négociations parce que les jeunes ne peuvent pas partir en prêt. Malheureusement, moi qui m'attendais à en prêt. Bureau des managers. Conquibo nous a envoyé une offre pour prêter Anna Ward. Ça, c'est d'autres choses. Club Bruges veut que je vienne les entraîner, mais je le laisse. Quoi d'autre? Carrière de manager. Bon, offre de manager, regardez. Il y a Sociedad et Club Bruges, mais je crois que je n'irai sur ni l'un ni l'autre. Je sais pas pourquoi ça s'efface pas les trucs. Ok, on va avancer le temps. Est-ce qu'on va avancer? Sauvegarder ou bien sauvegarde? Je crois que je vais faire sauvegarde automatique parce que le temps sauvegarder, c'est difficile. Voilà. On va faire gestion d'équipe. Voilà, l'équipe, ils sont chauds, hein, mais par contre, faire entrer, je vais les sortir. Je vais mettre Ansu Fati. Il n'est pas motivé. Mettons Memphis Depay. Gérard Piqué, je vais le mettre aussi aujourd'hui. Il va jouer à la place de Arjo. Je trouve que Christensen fait vraiment le job derrière Hector Bellerin, Jules Koundé. Je vais mettre Jordi Alba à la place ici. Et on va laisser les autres comme ça. Peut-être on peut mettre peut-être Franck Essier à la place de Gavi. Et on va mettre peut-être Sergio Busquets à la place de Frankie de Jong. Ou bien on met ici Frankie de Jong à la place de Franck Essier. On va le mettre. Voilà. Par contre, on va changer de capitaine. Sergio Busquets, l'ancien. Sauvegarde encore une fois. On ne sait jamais. Quelque chose peut. Ça peut. Cracher et puis on perd les data. Allez, je fais coup d'envoi. Est-ce que le maillot, on prend un deuxième maillot peut-être? Je crois que c'est mieux. Coup d'envoi. Gros match contre Real Sociedad. Donc on est chez eux. On n'a pas encore perdu, donc j'ai peur que ça peut être le match dans lequel on va perdre. Je me suis dit peut-être je montrais le niveau superstar, mais vu comment il y a des matchs scriptés ici, non, je crois que professionnel reste le meilleur niveau. Ça c'est qui? Je le connais quelque part. Ah, c'est Silva. Il a joué à Manchester City. Je savais pas qu'il allait à Sociedad. Donc, on va passer tout ça. De toute façon, on a vu ça au début. Eh bien, c'est parti pour la Liga. On est de retour chez nous après une qualification incroyable. Je me demande qui on va rencontrer en Champions League. Je n'ai même pas regardé. Attention, voilà le premier but. Non, heureusement. Voilà, c'est parti. Dembélé. Voilà, ça c'est bien. Attends, je préfère. Voilà. Fatih. Ouh, c'était Memphis Depay. Je croyais que c'était Fatih. J'avais complètement oublié que j'avais Memphis Depay de ce côté. Corner. Memphis Depay s'en charge. Par contre, je vais mettre tout le monde en défense parce que je vois que Real Sociedad, ils sont chauds aujourd'hui. On va jouer comme Liverpool parce que le Real Sociedad, on sait comment ils jouent. Je vais mettre tout le monde en défense. Pas trop, mais. Ah, c'est qui ça? C'est Jordi Alba.
Voilà la faute. Ça, c'est un coup franc très bien placé. On peut le mettre. Ce coup franc-ci, on le tire bien. Attends, je préfère pas que ce soit mon fils du pas. Bon, il a l'air d'être le mieux. Donc, on va tirer et mettre un peu de jaune là. Ouf, c'était un peu trop fort, je trouve. J'ai sous-estimé la distance. J'ai cru que... Non, j'ai surestimé, je veux dire. Attention, on défend, on défend. C'est une tendance lourde dans le foot moderne. C'est vrai que les latéraux semblent très offensifs. Oui, on les voit participer souvent. Attention, attention. Ça, je sais pas c'est qui tire. Hein. Ça doit être... Je connais pas son nom, mais ça fait le deuxième tir qu'ils ont tiré. Ah non. Non, 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 ça ne va pas. Je crois que je vais mettre tout le monde en défense et on va jouer les contre-attaques directes. Parce qu'ils vont laisser beaucoup d'espace et si nous on y va directement, c'est nous faire découvrir. Alors que eux, je sais qu'ils vont se faire découvrir. On va jouer tiki-taka calmement. Commencer le faire. Là, il y avait faute arbitre, il siffle pas. Comme d'habitude, on est habitué à ça. Sergio Busquets, il est super fort en récupération. J'ai jamais vu un joueur récupérer autant de ballons. Attention, ah là, on peut récupérer, mais il n'y avait pas faute. Et là, je sens que ce match sert à scripter. L'IA ne doit pas être super content qu'on ait gagné face à... Voilà, c'est pour... Stegen. Voilà, Jordi Alba va s'occuper d'avancer. Bon service dans la profondeur. Bien joué, il fallait jaillir. On va récupérer cette balle. Malheureusement, on ne la récupère pas. Ouh. Attention, faut pas prendre de but, faut pas perdre après le match qu'on a fait. Passe à... Passe à... Attention, attention. Passe interceptée. Un fils de paille. Chala, il est hors jeu. Hors jeu. Je crois que c'est la fatigue aussi. Vu le match qu'on a passé, j'ai fait peu de changements. J'espère qu'ils vont tenir. Parce que je vois Lewandowski déjà épuisé. Si c'est fatigue, je vais l'enlever. Je vais mettre en Ansofati. Malheureusement, on va devoir jouer avec ce qu'on a. Heureusement, ils n'ont pas sifflé. Busquets, voilà, ça c'est bien. En tout cas, je sens que ça va aller. Ah là, il fallait peut-être que je fasse un petit crochet. J'ai oublié. Attention, Arjo va le récupérer cette balle. Voilà. Dupas, il va récupérer cette balle. Voilà, ça c'est pour Lewandowski parce que je sens. Ça c'est pour Dembélé et le poteau. C'est pas possible. Ah là 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 là. N'était pas bien placé. La passe que j'ai donnée à Dembélé n'était pas assez forte. Ça l'a pas mis dans une bonne position. Et Dembélé, il a des problèmes pour marquer. En tout cas, je crois qu'il n'a pas encore marqué de but cette saison. Et ça, c'est vraiment dommage. Hein. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Attention. Ça, c'est très bien défendu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, ça commence à être scripté, les guys. Et là, ça va entrer. Non. 0-0. Deuxième mi-temps. Là, c'est pour Lewandowski. Voilà, un bon coup franc là-bas. J'ai vu son appel. Souvent, ça, c'est une technique que j'essaie d'utiliser quand on commence le match, parfois. Mais il faut être rapide. Il ne faut pas se faire arracher la balle et directement faire une longue passe vers l'attaquant. On va tenter directement.
Et là, on va tirer. La fois passée, j'ai fait un peu fort. Ah là là. Ça ne va pas du tout. C'est juste difficile de tirer les coups francs ici. Je commence à les donner à Lewandowski. Alors qu'en face, ils n'en ont pas eu un seul. Bien, un peu de répit. On va essayer un peu d'avancer un peu nos lignes parce que je trouve qu'on est un peu trop reculé. Attention, la roue tourne. Ou bien on va jouer neutre. Je vais mettre neutre. Donc voilà, voilà ça c'est bien. Très bon déplacement. Attention. C'est bien donné. Et Lewandowski. Quel enchaînement avec cette frappe. Voilà un Il n'y a pas joli de coup fatigue à ce que je d'essai. vois. Et que On l'on va voit dans passer cette ça. situation, la défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Le FC Barcelone, qui est l'une des meilleures défenses du championnat, du moins sur ses cinq Il y dernières a années. faute d'arbitre. Et là, c'est Dans la profondeur. Depay qui. Ah là là, mais il y a vraiment beaucoup de fautes et l'arbitre ne siffle pas. Je sens que ce match risque d'être match nul. Voilà, on va. Ça, je ne comprends pas, franchement. Voilà, thank you De Jong, merci. Bien servi. Ah, mais il y a faute, il y a beaucoup trop de fautes arbitre. Il faut se décider à mettre un carton, en fait. On va pas continuer comme ça. Il nous empêche de jouer et ça, c'est pas vraiment une bonne idée. Dembélé, peut-être. Je sens que Dembélé est fatigué. Non, mais qu'est-ce qu'il fout, Lewandowski? Ils sont fatigués, les gars. Ils sont fatigués. Je vais les enlever. Je sais pas qui je vais mettre ici. Je vais mettre Ferran Torres. Ici, je mets Ansu Fati. Et puis, je change toute l'attaque. Hein. Je mets Rafinha. Parce que ils sont en train de faire du n'importe quoi. L'attaque, ça ne va pas. Je crois que c'est la fatigue. Mais Depay ne devrait pas être fatigué. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Voilà un marquage très Koundé. agressif. Non, c'est pas Son impact Koundé. J'ai était cru que saisissant, Koundé dur à était contrer, mais il perd fatigué. beaucoup de ballons. Voilà. Bon, c'est sorti. Ça sort. Du 109. 109 les guys. Rafinha. Voilà, ça va peut-être changer quelque chose. Il est bien trouvé. Il change la Voilà, ça séquence. va. Attention. Va-t-il en profiter? Bien Ah servi. là là, là j'ai été surpris. Mikel Merino qui remporte son duel. Il passe en retrait au gardien. Est-ce qu'on va pouvoir gagner ce match? Si on gagne ce match, franchement, ça serait bien. Pour la série, même si c'est. Et surtout, faut pas oublier Il y qu'on est. va. Il Ça, c'est allonge. très bien, ça, c'est très bien. Ferran Torres, je sais qu'il est capable. Et le but, mais qu'est-ce qu'il fout, Rafinha? Quelle occasion! Non, là, là. J'aurais dû peut-être me calmer. Ça, c'était la balle du match, les guys. Je crois que. On va pas gagner ce match comme ça. En tout cas, je savais pas que Ferran Torres savait se débarrasser des défenseurs comme ça. Je vais pas Il oublier va ce servir. qu'il a fait aujourd'hui. Mikel Oyarzabal. Il joue en retrait. Pas tellement de solutions. Attention, faut pas prendre un but. Dégagement. Ne me dis pas que c'est corner. Ils vont dire que c'est corner, regardez. Ah, j'ai eu peur, j'ai Les dit. changements s'enchaînent, on dirait bien. C'est sorti. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'on peut changer? Le pressement venait tout juste d'être effectué. Non, je crois que tout le monde va bien pour le moment. Ferran Torres. Est-ce qu'il est redescendu là? Je vois. Non, je voulais Il pas. s'est bien Je voulais défendu. Jordi Alba. L'ouverture lumineuse. Oh la maîtrise, Ça, c'est quel très coup bien. devant les yeux. C'est joué long, attention. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ah, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'a rien Franchement, fait. c'est un gâchis. La longue passe. Ah là là.
Il y a beaucoup trop de fautes, arbitre. Donne les cartons, bordel de merde. Ils sont finis. Et là, on peut marquer. Enfin, marquer, je vais les dire plutôt de se pousser, de partir tous, parce que là, je crois que peut-être ça peut entrer, mais non. Voilà. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Franchement, c'est juste impossible à marquer. Là, je sens que on peut marquer. C'est juste là. C'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Non, ça n'entre pas. Heureusement. Donc, De Jong est fatigué. Je l'enlève, je mets Franck Caissier. On va essayer de défendre parce que. Attention, c'est pas possible, les guys. Je le sentais venir. Et on perd le match contre Real Sociedad. Après un gros match face à Liverpool. Je savais, je le sentais, les gars, je le sentais. Franchement, je sentais le script venir parce que, vu tout le but qu'on a raté. Regardez, il y a beaucoup trop de fautes, beaucoup trop de fautes. Et là, et en plus, il siffle contre nous, ce connard. Regardez. C'est quoi ça? Ah non, je suis dégoûté. Je vais faire à full attaque, les guys. Full attaque, parce que là, on peut pas gagner comme ça. On va récupérer. Regardez, il va siffler maintenant tous les fautes contre nous. Pedri, ça va pas. Je vais enlever. Je vais mettre Gavi à la place de Pedri. On va mettre du 109. Koundé aussi, il m'a l'air fini. Mais ça va rien changer, ce que je fais. Alors, il y avait même. C'était même pas. C'était même déjà fini. Il ne me dit pas qu'il va marquer ça aussi. Quelle parade exceptionnelle! Il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. C'est pas terminé, il faut y croire. Ça va vite. Rafinha. Et le but, l'égalisation, les guys. Et voilà. Franchement, perdre ce match, ça serait. Ça serait du vol, ça c'est très bien joué. Ferran Torres. Franchement, je savais pas qu'il avait un talent. Franchement, Ferran Torres, j'ai remarqué quelque chose. Il sait se détacher de son défenseur. Retenez ça, les guys. Quand vous le mettez en pointe, je compte ça le mettre en pointe. Je savais pas qu'il pouvait jouer en pointe aussi. Regardez, regardez. Ça c'est très bien joué. J'ai directement su que Ferran Torres allait se débarrasser de son défenseur. Il sait franchement se débarrasser. Regardez, c'est juste waouh! Très beau but. On aurait pu gagner ce match. On aurait pu gagner ce match. Faut pas oublier le raté. Allez, je crois que je vais défendre à fond parce que je vois qu'ils sont en attaque. Voilà, ça c'est bien. Ah non, ils vont commencer maintenant à siffler tout. Ils vont essayer de marquer. Ce match, il est scripté. Ce match, il est scripté. Et là, c'est... Non, 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 non. Faut pas que ça entre. Faut pas que ça entre, les guys. Jordi Alba a fini. Sergio Roberto, je ne l'ai pas mis, on dirait. Je vais mettre Ferran Torres derrière, les gars. Je suis désolé. Les gens, ils sont finis ici, les gars. Ils sont finis. Totalement finis. Peut-être la dernière occasion du match. Ils l'ont gagné. Un nouveau corner. Un nouveau corner, les gars. Un nouveau. Mais c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer.
belle occasion de changer le scénario de ce match. Il est bien placé. La frappe, attention! On dégage. Et ils vont pas siffler tant qu'ils n'ont pas marqué un but. Regardez. Regardez. Non, c'est pas possible. Non, non, 9 minutes, les gars. Regardez en haut. Cet arbitre, il est corrompu du pied à la tête. On va dégager, les gars. On va dégager. Voilà. Un but partout, c'est un match très difficile les gars, c'est un match très difficile, bizarrement ce sont ces petites équipes qui nous cassent la tête, et pas les grosses équipes, un but partout. Bon, on est troisième, juste derrière Séville, et juste devant Real Atlético qui nous dévance de 4 points. Allez, on va jouer contre Rayo Vallecano après. Je me dis, est-ce que j'arrête la vidéo ou je continue? Et la négociation en équipe. Suspendre, je vais garder Piqué, bien sûr. Et je vais dire, politique des transferts, vous refusez. Recrutement, ok. J'espère que les gardiens, ils ont trouvé Alisson Becker, Giano Black. Ah, peut-être Giano Black. Mais je vais attendre encore, je vais voir quel gardien je peux acheter. Ça, je suspends. Tu as fait l'erreur de mettre tous les joueurs. Dans la liste de prêts. Peut-être un autre jeune encore qui veulent. C'est lui, je crois. Retirer et suspendre les négociations. Match suivant contre le Rayo Vallecano, les guys. Alors là, j'ai oublié même de mettre. Ça sera le dernier match de la vidéo. Pourquoi? Je me disais que j'allais faire juste un match avec Liverpool et c'est fini. Mais non, vu qu'on a gagné haut la main, je me suis dit, pourquoi m'arrêter? Ici, je vais mettre Ansu Fati. Sauf que les jeunes ont besoin de beaucoup de temps de jeu, je vais garder mon milieu comme ça, je trouve. Peut-être je vais mettre Rafinha cette fois-ci à la place de Dembélé. Et Lewandowski, je vais le mettre Ferran Torres à la place aujourd'hui. Je préfère le reposer face au grand match qu'il a fait. Et on sauvegarde comme d'habitude. C'est parti les guys, dernier match de la vidéo, espérons que celui-ci on va le gagner pour terminer en beauté. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Gros match, on est au Camp Nou. On va passer tout ça. Parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Et je crois que Dembélé ou c'est Ansu Fati. Ansu Fati, il fait beaucoup d'appels comme ça. Je sais pas quel match il a marqué un triplé. Je n'avais pas pris la vidéo, malheureusement. Mais il a fait un triplé, je crois que c'était face à Cadix, si je me souviens. Oh, Koundé, ça c'était un joli tir. Allez, là on va. Il y avait hors-jeu. J'aurais dû passer directement à Ferran Torres. En y pensant, je me demande est-ce que le volume est bien réglé. Tout va bien. Le FC Barcelone qui n'a toujours pas perdu cette saison. Le
le moindre match à domicile. On n'a pas encore perdu à domicile, donc faut pas qu'on le perd aujourd'hui. Attention, très très bien. Ah là, j'ai voulu dribbler, ça n'a pas marché. Attention, ça commence. On va aller, en tout cas, avec Piqué aujourd'hui, ça va pas être. Ah, qu'est-ce qu'il fait Koundé? On va attaquer aujourd'hui parce que je vois qu'ils sont en mode défensif. Voilà, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà le premier but dans cette rencontre. Ça c'est énervant. Ça c'est énervant. Ça c'est vraiment énervant. Et regardez. Attention, j'aurais pu prendre la balle. J'espère qu'on va pas perdre ce match parce que là on n'a pas encore perdu de match à domicile et c'est pas aujourd'hui qu'on va perdre. Et le championnat est juste très difficile les guys. Allez, on y va, attention, on y va. Et non, ça ne va pas. Je crois que je vais demander tout le monde de pas trop attaquer parce que je sens que l'équipe n'y est plus du tout. Allez, on y va. En Soufati qui demande la balle. Il va l'avoir, bien sûr, il va l'avoir. Oh! Ah, Ferran Torres, c'est tout le temps en jeu. Je voulais même pas le passer. Je voulais en Soufati, par contre, pouvoir prendre la balle et demander à... On va essayer de jouer en défense parce que je vois que... Mais bordel, c'est quoi ça? Mes joueurs ne sont pas, n'y sont pas du tout aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu donner à Pedri une passe lobée. Rafinha, je trouve aujourd'hui, il ne joue pas super bien. Ah là là, il y a faute et il ne siffle pas. Comme d'habitude. On est habitué à ça. Pour revenir dans ce match. Ferran Torres. On va garder la balle et un peu monter. De Jong. Voilà, je vois que Jordi Alba. Ferran Torres, c'est juste impossible. Je trouve qu'ils font beaucoup de fautes et là il y aurait des pénalties. Ouh, le poteau. Et là, il va marquer. Oh non, Rafinha. Ah, c'était le poteau. Mais peut-être j'aurais dû passer à Ferran Torres. Oui, Ferran Torres, j'aurais dû le passer. J'ai été égoïste sur ce coup. On va essayer d'aller à l'attaque parce que je vois que ça ne sert à rien. Faut-il aller chercher l'égalisation avant la pause ou bien éviter d'en prendre un deuxième? Non, faut pas quand tu prennes un deuxième. Là, ça serait la catastrophe pour cette vidéo. Pour cette vidéo, vu tout ce qu'on a fait. Attention, là, Torres, je vois qu'il est là. Ah là là, ils sont tous partout, ils sont présents partout. Et là, je me suis dit, je passe ou je tire, j'ai douté. C'était plutôt pas mal comme tir, vu la distance à laquelle il était. Bon. De Jong. Bien joué, il fallait jaillir. Ferran Torres. Là, j'ai voulu enrouler avec Rafinha. Je vais changer. En Soufati, je vois qu'il est un peu fatigué. Bon, je vais le garder.
Qu'est-ce qu'il fout? Deuxième mi-temps. Il faut surtout que ces joueurs s'appliquent, qu'ils soient plus concentrés. Allez, on est reparti. Allez, le plus important, c'est de bien entrer dans cette seconde période, quitte à prendre quelques risques pour tenter d'égaliser rapidement. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends plus rien. La défense est aux abois. De Jong. Ah non, je voulais pas du tout faire un Torres. Je voulais Rafinha qui demandait une passe là-bas. Voilà ce que je vois. Et Ferran Torres toujours en hors-jeu. C'est franchement énervant. Ansu Fati, je vais mettre Lewandowski. Qui va peut-être venir aider ici. Sur cette intervention. C'est très bien défendu. Il faut vraiment l'empêcher de se mettre face au but, celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Je n'avais pas contrôlé la balle, on dirait. Je suis tellement concentré, les gars, parce que là, j'ai pas envie de perdre. Ce match est très important. Alors là, il va pas y aller. Dégage, fils de... Il fallait dire un gros mot, les gars, tellement je suis énervé. Bon, on va essayer. Voilà, il y a faute. Ils disent rien. Non, il y a beaucoup trop de... Mais il y a même... Aïe. Allez, on va mettre Lewandowski en attaque parce que je vois que ça va pas. Et Rafinha, il joue bien, mais bon, on va le garder. On va le garder. S'il le trouve. Ah là, c'est scripté, c'est scripté, c'est scripté. C'était du n'importe quoi ce que je viens de voir. Comment mon joueur est tombé? C'est juste incroyable. Regardez. C'est franchement du n'importe quoi. Cette défaite est énervante. Bon, peut-être Lewandowski peut nous... Et voilà. Là, ils vont... Là, j'ai cru qu'ils n'allaient pas siffler la faute. Est-ce que Rafinha peut la mettre? Ah non, j'ai très mal tiré. Oh, c'est le but. Très très beau but de Rafinha. On reste dans la partie. Franchement, ce match est très difficile, les guys. En tout cas, c'est le seul truc positif de ce match. Je me suis dit que j'ai très mal tiré, mais j'ai super bien tiré en fait. J'ai cru que ça allait toucher le mur. Très beau but de Rafinha en tout cas. Et pourtant j'allais le sortir. Je me suis dit je le garde. On va aller en attaque les guys parce que en restant derrière toi en défense, je me dis. Ne me dis pas qu'il va marquer ça aussi. Est-ce qu'il y a des fatigués? Non, je trouve que tout le monde va bien. Quand Jean risque d'enlever Jordi Alba et mettre Marcos Alonso parce que... Non, je voulais... Barcelone qui tente de belles choses là. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si. C'est vrai, Grégoire. On peut peut-être revenir dans le match... C'était très difficile en tout cas.
On n'a pas eu d'occasion, si je me souviens bien, on n'a pas eu beaucoup d'occasion. Voilà, on récupère cette balle. Voilà, je savais qu'ils allaient. Ah, ouais. J'ai cru. Et légalisation, les guys, légalisation. On revient dans le match. Je vais enlever. Je vais devoir enlever Jordi Alba parce que je sens que ça va pas du côté de Jordi Alba. On revient dans le match. On peut gagner ce match. Ça serait franchement la série sur le gâteau. Je voulais même pas se passer. Non, oui, je voulais passer Koundé. C'est le défenseur qui a fait l'erreur. Il a ramené la balle là-bas. Je me suis dit, c'est Lewandowski. Je tire direct sans réfléchir. Là, on va passer. Remplacement pour Barcelone. Je crois que je vais enlever aussi Dembélé. Je vais voir qui je peux enlever. Koundé a l'air épuisé aussi. Sergi Roberto, je vais enlever, je mets Ousmane Dembélé, je change toute la charnière droite. Rafinha est fini, les gars, il est finished. Et Busquets aussi a l'air d'être fini. Attention pour pas qu'on prenne un but cette fois-ci. Oh. Non, ça n'entrera pas ça. Ça va pas entrer. Et oui, il commence à attaquer. Là, pour pas s'en prendre un but là. Je sens beaucoup de fatigue ici. Je vais enlever Sergio Busquets. Je mets Franck ici pour nous aider. Je vais te faire entrer. Je l'enlève. Je mets Gavi. Ah non, j'ai déjà fini tous les remplacements. Voilà. Merci Busquets. Aujourd'hui, Franck ici. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Là-bas, Sergi Roberto, je sens qu'ici, il y a du jus. Ah non, il n'a pas suivi. Et là, on va défendre. Ah là 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 là, j'ai failli faire un truc. On recule les gars, on recule parce que. On va pas les laisser aller. Et le match est terminé, 2 buts partout, un autre match nul, c'est énervant. Merci d'avoir suivi la vidéo, les guys. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. Commentez. Faites des commentaires toujours. C'est toujours important pour que je sache vos astuces. Et si vous voulez que je change quelque chose, merci et à plus, les guys.